J'ai été invité par Carrefour pour visiter une entreprise qui fabrique leur mayonnaise. L'étape que j'ai le plus appréciée dans le process, c'est surtout la première en fait, l'élaboration de nouveaux produits, la phase de labo, recherche et développement. Dans la mayonnaise, donc il y a de la moutarde, de l'huile, des œufs particulièrement de poules élevées en plein air, et surtout il n'y a pas de produits conservateurs. En fait, voilà. Les œufs viennent des poules élevées en plein air. Je ne savais pas que Carrefour pensait aux animaux, à ces choses-là. Je ne pensais pas qu'une enseigne aussi grande pouvait penser comme ça. Donc aujourd'hui, on a vraiment assisté à toutes les phases de création d'un tube de mayonnaise, de l'arrivée des produits bruts jusqu'au conditionnement et à l'emballage sur palette prêt à livrer. Bah, ce qui m'a plus marqué, ce sont les contrôles qui ont été faits sur cette mayonnaise. Bah, je suppose que c'est contrôlé, mais je ne savais pas que c'était tous les 3 heures. Ça permet de se rassurer et de manger une mayonnaise qui est de meilleure qualité. J'ai passé une super journée, vraiment intéressant et rassurant aussi de voir le soin qu'ils mettent dans ce produit. On peut dire que c'est proche d'une mayonnaise maison. C'est assez drôle parce que j'avais des idées reçues sur la fabrication industrielle de la mayonnaise. J'ai été surpris de savoir que c'était vraiment fait avec des ingrédients naturels. Elle est super bonne. Légère, en tout, vraiment très plaisante.